Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à San Francisco Rush sur PlayStation. Alors, donc c'est parti. Jolie intro au passage. Enfin, jolie intro. Non, un intro très bizarre, mais bon, on va dire qu'elle est, on va dire, elle a le mérite d'être assez différente des autres. On voit l'évolution des mobiles entre le début du siècle et. Enfin, début du 20e siècle et un petit peu la fin. Et surtout une femme qu'on ne sait pas ce qu'elle fait en plein milieu, mais bon, elle y est. Alors, on peut démarrer le jeu ou voir les options. On va voir évidemment de notre côté les options. Alors j'espère que le son du jeu sera pas trop fort, normalement ça devrait être bon. Par contre, j'ai baissé le son évidemment parce que j'entends vraiment trop fort. Alors, on a le radar, la map, le speedomètre, le tachycomètre, pardon. Bon, on va tout laisser comme ça, ouais, ça m'a l'air pas mal. Contrôleur option, là qu'est-ce qu'on a comme option? Configuration, calibration, on va laisser par défaut. Et sans option. Peut-être que je peux baisser un peu le volume de la musique. Voilà, SFX, on va le laisser comme ça. Faire exit. Je pense que le son du jeu est correct, alors peut-être un peu fort. Non, ça devrait être bon, je pense que ça devrait être ok. Alors, faire back. Temps de chargement entre les menus. Et nous sommes donc partis à jeu. Donc sur PlayStation, on va découvrir ensemble. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire ce jeu? Bah simplement parce que je suis tombé sur une vidéo de la version PC. Et je me suis dit, ah c'est pas mal. Alors du coup on va tester ça et bon, on va découvrir ensemble. Alors il y a un mode un player game, Extreme Race, circuit, Grand Prix mode, Explosive mode, pourquoi pas. Un mode deux joueurs et un mode deux joueurs en link up. Ça veut dire que logiquement on branche deux consoles, deux écrans quand on lit avec un câble link. On joue sur deux écrans pour faire ça. Ok, on va commencer le premier mode. Hein. On découvrira un petit peu les autres ensuite. On verra si le jeu vaut le coup ou pas. Alors, le coup du rush, c'est un peu bizarre. Hein. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Bon, c'est parti. Alors, on a le Golden Gate Bridge, le Golden Gate Park, le Ace Street, je pense. Et Palace of Fine Art, sorry. On a le. Oh, ok, d'accord. Donc, ça, en fait, c'est plusieurs maps. Le track 2. Track 3. Ah, on a Sutro Tower. Alors, j'imagine que ce sont des lieux évidemment connus, très connus à San Francisco. La Sand District, track 4. Donc, on a 4 circuits pour le moment. Bah, écoutez, on va commencer par le tout premier, histoire de découvrir un petit peu les voitures, le maniement et comment ça se comporte. Alors, on a un mode beginner avec une. Ouh, ça ressemble étrangement à une petite BMW 318 Ci, mais bon, on dira rien. Ça là, par contre, ressemble à rien, mais bon, pourquoi pas. 27, expert. Alors, effectivement, plus on est en beginner, moins ça va vite et le contrôle est facile. Ça, c'est en mode avancé. Là, on a une sorte de Supra. Ouais, on va dire que ça ressemble à une Supra. Et là, on a Warning Full Simulation. Bah écoutez, on va commencer par l'Advance. Voilà, normal. Même la Supra, elle me tente bien. On va prendre la Supra. Et on verra après s'il y a vraiment des changements avec le mode simulation. Donc on peut choisir un mode donc automatique. Hein, voilà, vous avez compris, automatique. Ou manuel. Bonjour manuel. Et donc on prend l'automatique. Voilà, alors toujours, hein, il y en a qui disent ouais, c'est plus réaliste en manuel, mais bon, en manuel, le problème c'est qu'il faut vraiment comprendre bien les véhicules au début. Donc, quand on découvre un jeu, c'est toujours plus pratique de commencer en automatique. Sympa aussi en 3D d'avoir fait les petits objets en 3 dimensions. Et donc, un petit écran de démarrage. Donc, bon, ma foi, fort sympathique. Bon, le chargement était un petit peu long dans les menus, donc j'imagine que le chargement va être aussi long dans le jeu. Après, il paraît que c'est des circuits assez grands, donc bon, on va voir. Hein. Ok, c'est parti. Oula, alors effectivement, elle bouge beaucoup. On a un effet de fog assez élevé. On a une minimap à gauche avec bah, le placement des autres concurrents. Ça, c'est pas mal. On a. Ah oui, là d'accord, ok. Donc en fait, on rentre sur le circuit. Vous pouvez voir par la map à droite. Et ensuite. Alors je peux utiliser évidemment le joystick pour pouvoir tourner, hein, plutôt que la croix si j'ai envie. Et après, on arrive vraiment sur le circuit.
On a des jolis effets de lumière, enfin jolis effets, il faut dire vite, mais bon, on va dire qu'ils existent. On a un temps limité, j'ai l'impression, ouais, 36-37 secondes, on va faire attention. Alors je sens que c'est le genre de jeu avec beaucoup de raccourcis. Je vois un petit peu les l'IA aller un peu n'importe où. Ouais, bonus time pour le moment. Donc voilà, c'est un jeu d'arcade, vous l'aurez compris. Pas de simulation vraiment là-dedans, hein, même si le jeu dit qu'il y a une voiture en mode full simulation. Attention, c'est du Air Factor. Non, regardez déjà les mouvements des voitures. Si ça, c'est du... Alors ça, c'est drôle par contre. Ça, c'est plus ou moins drôle. Alors, wrong way. On est mal retombé. Du coup, la voiture, elle est partie complètement. Et je me rends compte qu'il y a des dégâts. Regardez, on a des dégâts sur la voiture. J'ai touché un petit peu sur le côté. Et la voiture est cassée. Alors, on va voir si on a d'autres vues. On a une vue un peu plus rapprochée, donc on change la vue avec triangle. Donc habituel hein, sur le jeu PlayStation en général, c'était soit ça sur les touches L. On a une vue embarquée qui est sympathique. Alors on a déjà fini un tour, hein. On sait que c'est assez vite, c'est un... bon, c'est le circuit le plus facile du jeu. Alors par contre on a un effet de clipping assez énorme et un effet d'apparition de texture blanche qui rend le truc encore plus immonde. Mais bon, ma foi le jeu est fluide, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne nouvelle. On a donc, bon, vous l'avez vu, les kilomètres, alors je pense que c'est des miles par heure. Hein. Par contre, je suis à fond, j'ai pas lâché l'accélérateur depuis tout à l'heure. Et du coup, je me demande à quel moment... Ah, regardez, je peux freiner avec le bouton R2. Ce qui me sert potentiellement à rien, mais bon, on va quand même essayer de le faire. Alors voilà, si je vais droit, la voiture reste droit, donc tout simplement faire attention au saut. Et ne pas, pas tourner au moment du saut, sinon la voiture part n'importe comment, ce qui est tout à fait logique en soi. Alors je me demande comment je vais gagner là par contre, parce que j'ai quasiment pas lâché l'accélérateur. Alors c'est vrai que j'ai fait une erreur au début. On a 4 tours à parcourir. Pour le moment au niveau checkpoint on est bon, hein. Après c'est la première course donc j'imagine que c'est pas très compliqué. On va essayer de rattraper la l'ersatz de BM, en tout cas de l'avant, parce que de l'arrière elle ressemble plutôt à plus à grand chose. On va traverser, on va couper. J'ai perdu pas beaucoup de vitesse hein, quand je vais dans l'herbe, c'est vraiment, vraiment light. Alors je pense qu'effectivement, vu le genre de jeu un petit peu à la Daytona USA, alors j'imagine qu'on peut aller à gauche. J'ai vu un mur, donc je pense que finalement on peut pas y aller. Alors finalement, il n'y a pas tant de raccourcis que ça. En tout cas, j'en ai pas spécialement vu. Après, c'est un circuit plus basique, hein, donc évidemment, pour un raccourci sur un circuit ultra basique, c'est quand même pas le plus facile. Et je suis passé devant grâce au saut, c'est magnifique. Et j'ai gagné, oh, en plus j'ai gagné juste à l'arrivée. Je mérite totalement pas cette victoire, mais bon c'est pas grave, au moins on a gagné. Donc le maniement, vous l'avez compris, il est très directif. Vraiment on tourne très très vite avec la croix, même avec le joystick, c'est vraiment pas très progressif. À voir ce que ça va donner sur les circuits un peu plus rapides. Pour le moment, bon, pour le moment ça va. Pour l'instant, je vois pas trop de défauts. Bon la musique, elle est comme elle est, les graphismes, ça passe sur une player. Ma foi, pour l'instant c'est plutôt correct, ça va. Et du coup on revient au départ, bon ok. Alors, donc c'est un jeu sorti en 96 quand même, hein, faut pas l'oublier, c'est les premières années, on va dire que c'est vraiment la première année de la Play 1. Parce que autant elle est sortie en fin d'année 95 au Japon, et même en Europe il me semble. Autant l'année 95 elle existe quasiment pas pour la Play, hein. Il doit y avoir 3 mois à tout péter. C'est vraiment 96, voilà, les débuts en tout cas des jeux de la PlayStation. Et ma foi pour un jeu de cette époque c'est plutôt pas mal fait. On va essayer le One Player Extreme Race, histoire de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne. Et le Rush comme ça là, c'est c'est plutôt particulier, mais bon, pourquoi pas. Alors on va essayer un autre track, tant qu'à faire, on va prendre le track 2, qui est plus en centre-ville. Alors, je pourrais être le fou, faire le fou et prendre la version la plus rapide. Je vais juste garder celle-là, on va la prendre la plus rapide, je vous rassure. Comme ça circule plus de ville quand on est en mode extrême, je sais pas du tout la différence. Donc on va conserver la même voiture, comme ça on est un petit peu habitué. On pourrait tester... Oh, je vois qu'il y a une... ouais, une Bugatti B220, c'est ça, 220 EB220, ou je confonds avec la Jaguar, je sais plus. Mais il me semble que normalement c'est une Bugatti, ça. Un point de vue de Bugatti des années 90. On va donc voir, donc c'est bien le petit écran de chargement un petit peu différent.
Alors j'ai pas fait gaffe si on peut changer la couleur aussi, c'est que je me suis gardé en bleu, mais... Ah, alors attendez, extrême, je vois une tête de mort. Et je me pose la question, est-ce que c'est pas jusqu'à ce que la voiture soit détruite? Est-ce que ça serait pas ça? Alors ce que j'ai aimé et qui me donnait envie de jouer à ce jeu, c'est vraiment ça, voilà. C'est des genres de sauts énormes, et ça me rappelle vraiment Test Drive 5, la démo sur PC, dont j'avais parlé quand j'avais fait le test de Test Drive. En vrai, on va passer par deux endroits. Le test de Test Drive 5, justement, sur PlayStation. Il y avait un petit peu ses descentes de San Francisco. San Francisco est quand même reconnu pour ça. C'est vraiment ses côtes énormes avec les maisons sur les côtés. Et le fait que, bah, avec les voitures, si vous roulez à fond, vous pouvez vraiment faire des sauts de fou. Alors, pour l'instant, j'y vais tranquille. Je veux juste comprendre en fait le mode du jeu. Alors, je me fais toucher légèrement. Aïe, j'ai tapé un petit peu. J'ai perdu une place. Alors par contre, il laisse très peu de place à l'erreur. À peine je fais une légère erreur, je perds ma première place. J'imagine que... Oh, allez, par exemple, là... Là, on a réussi à pas se planter, parce que je sais pas par quel miracle, mais bon. Vous avez vu que la voiture, elle a quasiment pris... Alors, je sais pas où il faut aller, par contre. Ok, check, bon, il faut aller là. Faut jouer un petit peu la map aussi, hein, quand même. Apparemment, il va y avoir un pif-paf gauche-droite. Voilà, gauche-droite, puis encore droite-gauche, après. Ok. Là on est passé et on arrive à la fin du premier tour. Enfin je crois en fait, 2 sur 4, non c'est la position pardon, c'est pas le nombre de tours à faire. C'est la position. Alors, on va changer un peu de vue, parce que là on est en mode, on est au petit saut, donc on va en profiter. Youhou! Les gens d'avoir poussé la voiture devant moi en fait. Regardez, on... je me suis fait rouler dessus, game over, incroyable. Et je peux encore rouler. Je peux encore rouler. C'est dommage, game over direct. Alors effectivement, c'est une course à élimination, si j'ai bien compris. Du coup, bah, le premier qui se crash, enfin, si vous, en plus de finir premier, il faut pas se planter. Better luck next time. Ok, bon bah, on aura vu. C'était magnifique, hein. En plus, on s'est fait écraser pour la voiture, on l'a retombé. Il a fait le takedown de sa ville, l'IA. Allez, start game. On va... Bah du coup, on a vu ce que c'était. On va faire un circuit mode. On va voir un petit peu ce que c'est. À chaque fois que j'entends, moi j'entends pas Rush, j'entends Cash ou Cass, le casse de Bryson Nice en fait. J'entends ça à chaque fois et du coup ça fait bizarre. Alors, j'ai le choix que du track 1 pour le moment, en forward ou en reverse. Enfin, il me semblerait, donc je vais faire. Bah, je vais sélectionner le track qui est disponible, hein, donc on va revenir sur le même. Ou alors c'est peut-être un mode circuit, c'est-à-dire un mode championnat. Peut-être qu'il y a 3 courses à faire d'affilée et on va changer de voiture. Alors, par contre, est-ce que je peux changer la couleur? Il y a back select, non, bah apparemment je peux rien changer. Bon, on va tester celle-là. It's dangerous, c'est dangereux. Oui, peut-être que c'est dangereux, mais bon, je vais faire avec, hein. Et le petit écran de changement, toujours aussi sympathique. Alors vous remarquerez que j'ai souvent beaucoup de mal à gérer le son du jeu par rapport au son de ma voix. Parce que bizarrement, même au sein d'une même console, bah, y a des jeux qui sont vraiment plus forts que d'autres, et ça c'est un petit peu dommage. Du coup, s'il y a des gens qui sont calés pour la gestion du son, les réglages, je prends, parce que ça commence à être un petit peu dommage. La qualité vidéo s'est bien améliorée, mais alors la qualité sonore... Bon, des fois ça va, et des fois ça va un peu moins, c'est un petit peu dommage. Alors il fait nuit en plus, donc on a une variante de nuit, c'est pas mal. Ça fait plaisir d'avoir ça. Alors par contre, je suis super rapide du coup. Là, j'ai la rapide la plus voiture du jeu. Oui, évidemment, ça va totalement rien dire. La voiture la plus rapide du jeu. On va y arriver. Donc potentiellement qu'on part un peu gagnant, mais faut pas se planter non plus. Surtout que je vous rappelle, il y a quand même des virages. Alors par contre, on voit rien du tout. Mitch pourra aller tout droit là. Ça va tout se passer. Bon, l'effet de nuit, pourquoi pas. Ouais, bon, on va dire ça peut passer. C'est pas spécialement convaincant, mais j'ai vu pire. Regardez les phares devant, c'est juste une image une image un peu transparente sur la voiture. Bon, c'est très moyen. Regardez le saut qu'on va faire. Alors, on va faire un saut gigantesque. À la retombée. Ça aurait été marrant de le faire à la deuxième course avec, d'ailleurs. Peut-être qu'on peut le faire, hein. On peut la faire. Alors on a un tour, je sais pas combien de tours il y a à faire d'ailleurs, on va voir si c'est déjà fini, parce que c'était sur un seul tour.
tout cas, là, on est très très mal parti pour gagner la course si c'est le dernier tour. Alors, moi, je préfère vous le dire. Je vais vous le dire, moi. Bon, le jeu, en tout cas, est très très fluide. Et enfin, très très fluide. Très fluide pour la console. Et c'est pas mal. Plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'ai passé par là. Pour l'instant, je tente rien. En même temps, j'ai pas l'impression qu'on gagne grand chose en coupant. Même si Lia va toujours plus vite que moi, mais bon. En tout cas, j'ai pas l'impression de gagner beaucoup. Rado, ils vont quand même. Je sais pas comment je vais pouvoir les rattraper. Hein. Je vois pas du tout de raccourci comme je disais tout à l'heure. Regardez la retombée quand même. Elle a un peu du mal. Oh la retombée. Oh j'adore ça. Franchement c'est vraiment trop kiffant. C'est vraiment les sauts. C'est vraiment ce que j'ai adoré quand j'ai vu le jeu pour la première fois. Cet effet de. Presque de vertige. Un BMG Drive, je pense par exemple, avec les modes de jeu en, avec des gros sauts énormes, plus le casque vert, ça pourrait être pas mal. Mais même ce genre de jeu ultra simple, en VR, je pense que ça pourrait le faire. Par exemple, un jeu que j'aimerais faire en VR, paradoxalement, qui est assez vieux, c'est Virtua Racing. Parce que le jeu a des décors très simples, mais une fluidité extrême. Et il y a des passages et tout qui doivent vraiment remonter un petit peu le. Ouh, ça va faire. L'oreille interne elle doit avoir un petit peu du mal suivant les sauts. Il y a aussi un jeu que j'aimerais faire, c'est Mark's Kid. Skid Mark, je sais plus. Sur Amiga. Merci de m'avoir poussé, c'est parfait. Je termine 3ème, game over. C'était direct. Franchement, c'est. Je pense que j'aurais dû. Il fallait que je gagne en fait, apparemment, pour aller à la suite. Bon. On va pas gagner, c'était pas évident. J'avais la meilleure voiture pourtant. Bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, on va tester un autre mode. Ouais, Skid Mark aussi, mère sympa. J'ai souvenir aussi d'un vieux jeu un petit peu en vue isométrique. Où j'avais joué et en fait pendant qu'on faisait les championnats on pouvait améliorer la voiture au fur et à mesure, c'était vraiment génial. Je sais plus quel a été ce jeu, il tournait sur DOS, un truc comme ça, et franchement j'aimerais trop y jouer mais je sais plus le nom du jeu. Il y a plusieurs. Ça ressemblait un petit peu à du. Comment ça s'appelle du. Mania là. Jeu dessus où on peut jouer sur une table, un billard, etc. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Alors, un player GP mode, circuit mode, on a le explosive mode. On va essayer le mode explosif. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer la deuxième voiture, puisque de toute façon, on a essayé la plus rapide et l'avant-dernière. Alors, je pense qu'on doit débloquer des véhicules. Ça paraîtrait bizarre. Par contre, on va changer de circuit. Oh, regarde le Chinatown, comme il a l'air violent. Là, ça a l'air des courses beaucoup, beaucoup plus compliquées. Voilà, donc on va tenter l'Advance. Voilà. Donc là, sera un peu moins rapide, peut-être plus facile à manier, mais bon, on aura un petit peu tout testé. On garde toujours la boîte manuelle. Et là, on est d'accord, c'est vraiment une Supra. Hein. Ils se sont pas embêtés, les mecs. Hein. Ils ont juste rajouté des effets de couleur, je pense, dessus, mais ils ont pris une vraie Supra. Bon, petit défaut, les chargements sont un peu longs. Ça, c'est vraiment un défaut que je pourrais donner. Voilà, après, comme je disais, à prendre en compte, c'est l'année 96. En face, on a Need for Speed 1, hein, pour l'instant, on n'a rien d'autre. Donc, enfin, on a d'autres jeux, mais je veux dire, sur PlayStation, il n'y a pas non plus concurrence de fou. On a Ridge Racer, qui n'est pas spécialement plus beau. Bon, écoutez-moi ce bruit. Chaque voiture a un bruit différent, ça, c'est pas mal. Alors il y a le faux effet de reflet sur les vitres aussi, hein, vous avez pu voir. C'est un petit peu ce que faisait Daytona USA sur la Saturn d'ailleurs. Cet effet un peu abusif de reflet. Ce circuit m'a l'air sympa. On a une bombe. Alors mode explosif, je sais pas. Alors je pense que le mode explosif, je vais essayer de deviner ce que c'est. Mais pour moi, c'est le mode en gros du dernier dans le tour. Dernier dans le tour, abandonne quoi. Enfin, explose. Ouais. Ou alors, peut-être qu'il y en a un qui a la bombe. Je sais pas du tout. Ah. Déjà ? Ah, ok, d'accord. Donc en fait, fallait pas que je me plante. Ok. Eh, pas si facile que ça. Pas si simple que ça.
On va recommencer. On va recommencer, je sais pas me cracher. Ah oui, donc du coup c'est ultra permissif. Mais il me semble que ce jeu c'est un jeu d'arcade à la base aussi, hein, donc si c'est pas aussi évident, c'est parce qu'il y a une raison. On va reprendre. On va retenter le mode explosif quand même. Ou alors il faut juste... Ouais, ou peut-être ça en fait. C'est-à-dire que si on se loupe un peu trop fort, on explose. Bon, on va reprendre le track 2. Histoire 2. On testera le dernier track pour la fin, enfin le dernier circuit pour la fin. Voilà, on va choisir les autres voitures. Du coup, on va prendre. Je pourrais prendre la beginner, mais bon, je pense qu'elle est vraiment trop lente. Donc, on va quand même garder ce modèle pour aller un peu vite. C'est vrai que j'ai pas spécialement envie de la prendre à première parce que potentiellement c'est juste une voiture trop lente. Et donc, pour le coup. Dit trop lente, dit plutôt ennuyeuse. On va essayer de pas se planter. Faire le truc comme il faut. Donc on sait qu'il faut faire attention. J'ai pas remarqué, mais le CD est un petit peu transparent. Regardez, il y a la transparence de la jambe derrière. C'est particulier. J'aime bien les CD qui tournent. À l'époque, c'était la grande mode de voir des CD. Et pour vraiment dire, voilà, on utilise le support CD, on est moderne. Oh, regardez ce qu'on a devant, on a une coccinelle. C'est-à-dire qu'on peut débloquer vraiment d'autres véhicules en fait. Enfin, plus la voiture s'est cassée sur le côté, j'ai pas trop compris. On peut débloquer d'autres voitures. Bon bah écoutez, c'est pas mal. On a les dégâts, donc évidemment je pense qu'au bout d'un moment la voiture explose si on est trop. Si on la détruit trop. Je vais essayer quand même de faire attention, bon c'est vrai que je suis un petit peu confiant dès le début. Mais à mon avis le mode grenade. On va arriver vers l'endroit un peu compliqué. C'était là-bas. Normalement, je ferais des carrés, ouais, je crois que tout va bien. Voilà, c'était là. Hein. Oh! Oh, je suis mauvais, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis nul? Oh, je le savais en plus, mais le problème, c'est que je pensais pas que j'allais tomber directement dans le virage en sautant, du coup, bah, ça a pas marché. Bon, bah, écoutez. On va voir le quatrième circuit, et puis après, on fera une course sur le troisième normal où on peut se planter parce que. Sinon vous verrez pas le circuit entièrement, c'est dommage. Allez, on va mettre le mode. On a le time pick-up aussi. Attendez, on va tenter le time pick-up. On a vu ce que c'était le mode explosif. Il y a pas mal de modes, hein, mine de rien. Le jeu est assez fourni, c'est assez rare d'avoir autant de modes différents. Si j'ai oublié aussi cette instruction de derby qui était pas mal à l'époque aussi. Voilà, track 4, on va faire celui-là. Et on va prendre ça, là on est des fous. Que là on est en mode différent, donc je sais pas après si. Ou alors peut-être que dans tous les modes en fait, si on se crache une fois on perd, hein, c'est possible aussi. Par contre j'ai pas fait gaffe, mais oui non c'est bon, je pense pas. Ah regardez, il y a une Viper GTS, donc franchement je pense qu'il y a des vraies voitures. C'est juste qu'ils ont pas mis de nom, mais. Ils ont pris la 3D. On a une Viper. Non, ça me pensait qu'il y a un jeu, faut qu'on teste aussi, c'est Viper Racing. Je crois qu'il était sorti que sur PC. Je pense pas que ce soit sorti sur PlayStation, enfin en tout cas ça me parle pas. Ouais, encore des jeux à tester. Il y a énormément de jeux encore à tester, hein, ne vous inquiétez pas, on a pas encore fait toute la bibliothèque, il y en a énormément. Même sur les consoles 32 et PC. Ah oui, j'ai pas fait gaffe, mais il dit aussi Rush, il dit pas Go, quoi. Voilà, c'était la touche d'originalité du jeu, bonne soirée. Donc là, on va avoir une énorme courbe, voilà, sur le côté. Alors effectivement, il y a quand même des zones où on peut aller un peu à droite, à gauche, on n'est pas forcément obligé de respecter le circuit totalement, mais la liberté est quand même assez réduite sur les raccourcis. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Alors, vous allez dire, ouais, t'as pas fait forcément beaucoup dans le jeu, t'en sais rien. Effectivement, pour le moment, je vois pas grand-chose. Oh, ah, si, on a quand même deux zones. Bon, pourquoi pas. Peut-être qu'après, on essaiera de passer par là. J'ai cru voir un raccourci, par contre. On va essayer peut-être au prochain tour de le tenter, mais j'ai cru voir un raccourci. Faire gaffe quand même, pas se cracher. Ah bah oui, il y a un raccourci carrément. Regardez une voiture qui nous a dépassé. Je pense qu'il y a un raccourci. On va voir ça au prochain tour. J'ai rien compris.
Alors si j'ai bien compris, si ce que je pense avoir compris, c'est que ce n'est pas premier dans le tour, en fait on perd. Ok, bon, c'est dommage. Je vais tester quelque chose sur le circuit, du coup on va refaire le même circuit. Et on va tenter le petit raccourci que je pense avoir vu. Bon, on va se mettre en mode un player, classique, comme ça on découvrira quand même les circuits entièrement. Parce que depuis tout à l'heure, les deux derniers circuits, on les a pas vus entièrement. On les a vus à peine 20% pour le premier, et celui-là on l'a peut-être vu à 30. On va tester à nouveau. En mode normal. Hein. Je vais pas prendre la voiture la plus rapide, on va rester sérieux 2 minutes. On va essayer de voir ce raccourci qui m'intrigue un peu. Alors peut-être que j'ai halluciné. Mais pour moi, il y a une rambarde en fait à prendre pour pouvoir couper le dernier. Enfin l'épingle. L'épingle assez lente. Je remarque que pendant que le CD tourne, derrière il y a le fond qui bouge un peu. J'ai pas fait attention à ça aussi. Oh, d'ailleurs. Si le contraste changeait au fur et à mesure. Bon. Allez, c'est parti! Alors on prend le meilleur départ, on s'élance, on est parfait. On change la vue pour voir un petit peu plus d'effet de vitesse. Oh là là, c'est parti! Bon, le premier virage était pas compliqué. On va du coup prendre intérieur. Alors c'était après le premier jump. Il m'a semblé à droite de voir quelque chose. Limite je vais vous faire start pour que vous compreniez où je veux aller parce que. Je sens que je vais me louper. Vous voyez là? Ici? Vous l'avez vu? Eh ben j'ai loupé. On le tentera après, c'est pas grave. Bon, je pense que niveau du temps disponible, c'était pas trop ça. Ah, il faut vraiment le prendre. Faut vraiment le prendre bien pour pouvoir le prendre ce raccourci. Pouvoir s'entraîner durement. Et voilà, c'est pour ça qu'ici nous a redépassé quand on était promis tout à l'heure. C'est vraiment parce qu'il a pris le raccourci. Et là j'ai deux choix, on va passer à gauche. On va pas faire comme eux. Bon, évidemment je pense que ça n'a pas changé grand chose, mais. Allez, virage serré. Oh, il y a des. Oui! Il y a les câbles K là, en câble K, cable car. Enfin, en gros, les tramways quoi, ça ressemble un peu à des tramways. Et on va reprendre le lead, c'est incroyable! Le pilote bleu avec la Supra qui va prendre le mur même! Incroyable! On a pris le mur! Regardez où le jeu va nous replacer! Oh, c'est gentil quand même, le jeu est sympa! il nous a replacé, on s'est pris la rambarde quand même en hauteur. Ça, je m'y attendais pas. Allez, on continue. On va essayer de le retenter. Ce raccourci, il m'intrigue vraiment. Alors, faut que je fasse confiance à la voiture dans le sens où il faut que je. Faut bien que je fasse gaffe qu'elle tourne très bien. Donc, on va peut-être essayer ça. Si je loupe encore, c'est pas grave. Ah non, c'est loupé. Aïe aïe aïe, coup dur. On a failli réussir. On est dernier. Tant que je me fais pas avoir par le time up, c'est bon. On est quand même plus rapide que le troisième, c'est déjà ça. La fin du circuit est plutôt cool aussi. Regardez comme la voiture a tendance à partir un peu dans tous les sens. Quand on est à la retombée. Bon, il y a du clipping, mais franchement ça va. Ah, ça devient de plus en plus difficile. Et on s'est loupé, du coup on va repartir devant eux. Bah ouais, le jeu est plutôt sympa. Limite, il nous fait gagner du temps quand on se plante. Bon, pourquoi pas. Et là, par contre, je vais pas la prendre. Parfait. Du coup, j'étais assez lent pour pouvoir quitter la route au-dessus. Regardez comme la louvoie quand elle retombe. Ah, par contre ça je m'attendais pas. Attendez. Oula, la musique est en train de bugger complètement.
Alors du coup, on va... Mince, je peux pas changer le son. Ah, ça va être du RA pour vous, attendez. Oulala, je peux pas laisser ça comme ça. Je peux pas laisser ça comme ça. Je suis désolé, on va baisser. On va baisser. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais essayer de... Ouais, c'est bizarre que ça fait ça. Bon, en plus, j'ai loupé le raccourci à cause de ça. Bon. Vous allez entendre plus rien dans le jeu, je suis désolé. Ah, je pensais pas que ça allait bugger comme ça. Vous savez que la piste a complètement planté. On va finir le circuit. Alors, à la limite, je vais même pas vous laisser subir ça. On va faire start. On va faire kit game. J'espère que là, le son va pas planter. Ah, c'est bon, le son est revenu à la normale. Ok. Bon, de toute façon, vous avez compris un peu le principe du jeu. Des courses sympas, on peut débloquer des voitures, à mon avis. Qu'est-ce que je voulais tenter? Oui, on va refaire un one player game, sauf qu'on va le faire sur le troisième circuit, qu'on n'a pas réussi. Puis bah, on se laissera là-dessus. Cette musique vous fait penser à quelque chose, hein, y a rien à faire. Je sais pas, ça fait penser à un autre jeu. Si vous trouvez, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Il y a un air qui me fait penser à... Il fait penser à un jeu. Allez, on est parti. Et on va donc découvrir ce troisième circuit, je l'espère entièrement. Donc vous avez vu, en mode joueur, en fait, on peut se planter. Ça ne change rien, on perd un peu de temps, mais ça va, on peut continuer, donc c'est pas trop grave. on va faire avec. Allez, dernière course. Dernière course, j'espère que le circuit sera sympa, on a vu que le début. Ah oui, j'allais dire c'est le même circuit, mais en fait non. Regardez comment il est complexe ce circuit, n'empêche. Bon après, faut pas se faire avoir non plus, c'est juste des virages un peu serrés. Mais voilà, niveau prise de virage, c'est pas non plus très compliqué, regardez, je m'en sors plutôt bien. Voilà, ça paraît un peu difficile, mais ça l'est pas forcément. Bon, j'ai hâte de voir la suite, là où on s'est craché tout à l'heure. Aïe, parce que franchement... Donc là, il y avait un saut. Voilà, c'est ici qu'il y a le saut. Là, j'ai ralenti. Je me serais quand même presque craché, mais sinon c'est bon. Alors l'IA est pas mal, enfin je veux dire elle est correcte, normale, même plutôt compliquée quand même parce qu'elle fait peu d'erreurs j'ai l'impression. Bon après c'est histoire de connaître les circuits par cœur évidemment, hein. C'est une fois que vous connaissez les circuits, tous les raccourcis, je pense que c'est quand même plus facile. Oh regardez-moi, oh là ça c'est énorme. Par contre c'est là qu'on voit que la map, après les bâtiments, il n'y a plus rien. Je suis planté. J'aime bien la façon dont la voiture tourne parce que c'est vraiment ultra abusif. En plus, les roues sortent de la bagnole, hein. Elles sont vraiment pas bien agencées. Il y a des gens, hein, qui font ça, qui augmentent un petit peu la largeur de... Bah, pas la largeur des pneus en tant que tel, mais la largeur de la... du roule... Pourquoi il freine? La largeur... Ok. je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, bon, les roues seront placées un petit peu plus sur les côtés. Ça augmente évidemment la stabilité, mais bon, il paraît que c'est pas forcément très... Je pense pas que ce soit très légal. Ah, je suis complètement planté dans le mur. Alors c'est dommage parce que le circuit est sympa. Le circuit est sympa, par contre, regardez les angles de vue. C'est quand même très difficile de s'y retrouver. Alors effectivement, vous allez dire j'ai une map, mais vous pensez vraiment que j'ai le temps de lire la map? Il reste 4 secondes, je coach checkpoint, on a failli même pas réussir à prendre le checkpoint. Oh, on l'a retombé et je suis dans le wrong way. On va avoir un game over, ça c'est plus qu'évident. Par contre là, le circuit est vraiment cool. Là je ralentis, mais je vais quand même aller jusqu'au bout, parfait. On va avancer, je pense pas que j'ai assez de vitesse, hein. Je pense qu'on va avoir game over au prochain truc. À moins qu'on arrive à se bouger vraiment dans les dernières secondes. Si on a récupéré un peu de son, on passe à 18. Il a ralenti, ça c'est bien aussi, c'est-à-dire que l'IA est assez sympathique quand même. Enfin, en tout cas, le jeu gère un petit peu notre niveau. Temps d'être trop rapide. Alors le début de circuit, effectivement, est plutôt facile. Mais alors ensuite, ça se complexifie grandement. Vraiment, la fin est intenable. Hein.
22 secondes. Eh, je vais peut-être réussir à m'en sortir, je suis pas certain, on est à 8, 6... Ouais, 21 secondes, regardez-moi ça, alors franchement ce genre de saut c'est vraiment ce que j'ai kiffé trop à l'époque. Pas sur ce jeu, mais sur, sur Test Drive. Bon, alors, on va être difficile, hein. On va être difficile au niveau checkpoint. Là on est passé, il y a un gros virage ici. Il va y avoir un saut énorme. Après, avec un virage à droite, c'est là où ils ralentissent en fait. Mais ils ont raison de ralentir en fait, c'est moi qui suis trop... Quel checkpoint on l'a passé. Et là après ça commence à se complexifier. Oh, il m'a envoyé dans le mur. Heureusement qu'il m'a repoussé derrière pour me sauver. Oh là là, est-ce qu'on va passer le checkpoint? Je ne pense pas. Ouais, on l'a eu. On a eu le checkpoint au dernier moment. Ah là par contre c'est fichu, c'est terminé. Game over. Bah écoutez, game over. Et je pense que c'est game over aussi pour les IA. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. La voiture est totalement démolie. C'était donc San Francisco Rush sur, sur PlayStation. Ma foi, un jeu sympathique, vraiment, plutôt cool. Édité par Atari quand même, hein. Donc ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas un San Francisco Rush sur la Jaguar. Ce qui m'étonnerait pas quand même, parce que même si la Jaguar est sortie... 94, un truc comme ça, ou 93, ouais, peut-être que le jeu aurait pu sortir sur, sur Jaguar. C'est qu'on n'a jamais fait de jeu Jaguar encore, et ça pourrait peut-être venir dans le futur. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde.